Good morning New York. On est bel et bien arrivé en un morceau. La nuit a été un peu rough. Vraiment. Pas la meilleure nuit de notre vie. Ça dort vraiment mal dans un bus. J'étais vraiment pas bien, j'avais mal au cou. Parce que maintenant dans l'avion j'ai dormi puis j'étais mieux que ça. Ouais. Ah mais attends, on est une petite suite expresso, c'est un café. Tu veux qu'on y a? Ça doit. C'est un bon café. On cherche un café. Donc si on n'a pas très bien dormi, mal dans le dos, mal dans le cou, on arrêtait quand même 2-3 fois puis il ouvrait toutes les lumières puis il parlait. On est bel et bien arrivé, puis pour vrai, on arrivait à l'heure. Genre, précis l'heure. On arrive au café, je vous reparle dans 2 secondes. Ça ouvre à 8. En fait, c'est ouvert. Ok, on va pas aller là. On va continuer. On continue, on va pas ce café là. En arrivant, on a pris un premier bus, on a pas pris la bonne direction. Honnêtement, on comprend rien des lignes de métro, ah, bus. C'est compliqué. C'est que toutes les rues, c'est des chiffres, c'est des numéros comme. Fait que c'est vraiment difficile de se retrouver, puis là, est, ouest, quel bord on le prend, il y a des métros en dessous. On va sûrement. En tout cas, j'espère finir par se démêler. Ouais. Après, on a pris un premier bus, après ça, on a pris un métro. On est finalement arrivé. Puis, pour vrai, l'auberge, ça a l'air vraiment nice. Les employés sont vraiment gentils. De ce qu'on a vu, c'était vraiment propre aussi. Ouais. Parce qu'on est allé changer dans les salles de bain. Vraiment propre, rien à dire pour l'instant. Là, on a pris un petit croissant jambon fromage là-bas pour déjeuner. C'est vraiment bon. Vraiment taste. Là, on est à la recherche d'un café, comme j'ai dit. Puis, on a pu laisser nos bagages là-bas, on peut juste check-in en après-midi. Fait que, on part pour la, ben je pense la journée. On n'a pas encore de plan précis. On a une petite idée de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Puis ce soir, ça va sûrement être relax, car on n'a pas beaucoup dormi. Puis justement, on planifiera ce qu'on fait pour le reste de la semaine. Là, on est en direction, on a vu qu'il y avait de l'eau là-bas. Dans le fond, entre où on est et New York, parce qu'on est comme juste en dehors. Donc on va aller voir de quoi ça a l'air. Et là, j'ai mal au bras. Fait que j'arrête de vous parler. Oh, mon temps est vraiment zoomé. Aussi, update de chambre, je pense que je vous l'ai pas dit. Là, on vous disait qu'on avait un courriel comme quoi on pensait qu'on n'avait pas la chambre la fin de semaine. C'est le cas. Le site est vraiment overbooké. Fait que là, on a ce soir et demain sûr à 100% à cette place-là. On a réservé un Airbnb pour vendredi, samedi. Qui est annulable sans frais jusqu'à demain, 3h dans l'après-midi. Fait que, on va voir d'ici là si ça se libère où on est en ce moment. Parce que la fille nous a dit que ça se pouvait qu'il y ait des cancellations, du monde qui ne se présente pas, etc. Mais tu sais, je pense que si on le sait, ça va être après ça, là, après 3h demain. Ouais. Fait qu'en tout cas, on est comme sur la liste d'attente. On a au moins 2 soirs, puis nos 2 autres soirs, là, on a le Airbnb, mais le gars n'a pas encore confirmé. Fait que, à suivre pour ça, mais le best serait vraiment de rester là, je pense. Ouais. Moi, je serais d'honneur de rester là. Mmh. Mais en même temps, changer de place avec le fun aussi. Mmh. On va voir d'autres shows. Mmh. En tout cas, à suivre! Tim Hortons des États-Unis. Oh yeah! Ah, il y a des trottinettes! Non. Non, je pense à quelqu'un. Ah ben non. Je pense que c'est private. Marc-Antoine regrette son choix, pas moi! Regarde la couleur de mon café, il est plus foncé que ma caméra. Yeah, moi c'est un medium frozen coffee latte. Moi c'est dégueulasserie. Dans le fond, j'ai jamais mentionné qu'est-ce que j'avais pris, je l'ai juste jamais dit. J'ai demandé un café glacé au caramel. Mais il aurait fallu que je demande un latte glacé au caramel parce que de ce que je comprends, un café glacé aux États-Unis, c'est un café noir avec du caramel. Avez-vous intéressé? Mais c'est vraiment pas si pire que ça, c'est juste qu'il manque du lait. Parce que je pense qu'elle a juste fait un cold brew, pas de lait. Ouais. Parce que c'est la couleur là. Allô? Si ça goûte le caramel, oui, mais c'est juste qu'il est fort. Fait que là, j'ai dit avec qu'elle m'en versait du sien dans le mien. Dans pas très longtemps parce que je ne recevrai pas tout ça. Et c'est un médium. T'as vu la grandeur? C'est plus grand que ma tête. Tu parles à qui toi? Attends, mais regarde. Lui qui se fait des amis. C'est des empanadas. Non, moi je vois pas ça à 8h30. Hein. Ouais. Là, faut retrouver l'eau. On mais... va en aller pour souper tantôt. Ok. C'est le bon. Ok. Tu peux me donner du café? Il m'oblige vraiment à faire des affaires que je veux pas faire. C'est vraiment petit. Pas trop là, faut pas que ça déborde. Non, c'est pas pas débordé, monsieur. Merci. J'espère que ça va aider. Ça, c'est notre vie. Les pailles ici sont encore en plastique. Ouais, c'est vrai, hein? Les pailles, les verres. Fuck l'environnement. Direction le pont de Brooklyn.
un classique, je pense, parce que t'as la, quand t'es sur le pont, t'as la vue sur le centre-ville. Allez, dépêche-toi. Faut t'en niaiser, mon amour. Y'a tout le monde, merci. On s'achète ces casquettes-là à des petits stands comme ça, là, devant le pont de Brooklyn. Devinez le prix. Bon, devinez le prix en commentaire maintenant. Puis je vais le dire dans quelques secondes. C'était 5$ par casquette. 5$ US, mais comme ça revient pas cher quand même en canadien. Là. Puis on sent super belle. Il y avait genre toutes les couleurs, plein d'autres choix d'écriture. Glamour. Ben pour vrai, je suis chaud bien raide. Genre, il y a tout ça là, de choix. Et tout ça, c'est genre à l'infini. Là. Et tout ça, c'est sans fin. Quoi numéro? Mais je pense que ça augmente là. Ooh. C'est parfait. Donc, a room tour de notre première chambre parce qu'il va sûrement en avoir deux. Ah, il y a une douche. Ouais. Oui. Le string est jaune. Pourquoi il faut s'asseoir pour la douche ici? Ça a l'air qu'il faut s'asseoir. Fait qu'il y a une douche, pas de toilette. Oui. Petit truc pour... Oui, ça va l'air. Petit truc de rangement, petit lavabo, énorme miroir, petite toilette et la chambre. Il est midi, on explore la chambre à 4h. On est un peu exténué de notre avant-midi parce qu'on a vraiment beaucoup marché. J'avais parti ma montre en partant pour avoir genre une idée de la distance qu'on faisait. On a fait 8,6 km de marche en tout, donc c'est quand même pas mal. Mais on a quand même bien profité de notre premier avant-midi ici. Sauf que là, pour l'après-midi, je pense que ça va être repos, sieste. Parce que, comme je vous disais, on n'a pas super bien dormi. Et on a beaucoup marché ce matin. Fait que, moi, je vais avoir une petite douche rapide pour me comme, refroidir. Parce qu'il fait chaud, mais pas tant chaud. C'est surtout humide, fait que je me sens comme écœurant. Fait que je pense qu'une petite douche après ça. Mais on mange-tu avant? Non. Tu vas dormir avant de manger? J'ai zéro faim, man. Non, mais c'est parce que ça va tout décaler un petit peu pis ça, là. C'est pas grave. Moi, je vais manger avant. Il est rendu 3h, on a fait une sieste de 2h30. Parce qu'on s'est couché vers midi et demi, on s'était dit vers 2h, on se levait. Quand ça a sonné à 2h, j'ai dit à Vic, est-ce qu'on remet une heure? Il a dit oui. Donc, nous voici, nous voilà. On va aller explorer alentour qu'est-ce qu'il y a pour peut-être manger. Sinon, il y a une petite cuisine en bas, comme cuisine commune, qu'on pourrait se cuisiner quelque chose. Mais est-ce qu'on a envie de cuisiner quelque chose? La réponse est non. Moi j'aurais le goût d'un petit comme sandwich frais, quelque chose de léger, pas trop gros, fait qu'on va aller voir de ben, ça. Qu'est-ce qu'il y a alentour? Je vais aussi filmer la vue. On a quand même une petite cute vue. Je vais pas filmer tantôt parce que le rideau était fermé. C'est un des nombreux ponts, je sais pas lequel. Avec petite vue sur la rue. Vraiment cute. Fait que ça, c'est la petite cuisine commune. De ce que je comprends, il y a vraiment genre de la vaisselle pis tout. Ben oui, toi. Gris, pain, pis comme le monde laisse leur bouffe là, ça a l'air là. On a un sac ici, on dit juste identifier nos choses, qu'on a écrit notre nom. Ben mon nom. On va le mettre sur le sac, puis on va juste le laisser au frigo. On a acheté du pain, des fruits. Des bartons pour grignoter, de la confiture de fraises pour notre pain. Une petite sandwich pour manger live et deux petites empanadas comme ça pour manger live aussi. On va faire réchauffer ça. Sortir le sandwich. On va
aller manger ça, je pense, sur le bord de l'eau. On était ce matin. Puis on va le laisser au frigo. Il est présentement 10h23. On est revenu ici, il était 8h20, je pense. Ouais. Dernière affaire que je vous disais, c'est qu'on allait souper sur le bord de l'eau. On est allé ce matin. Prince on us, on a finalement soupé ici parce que j'avais tellement faim qu'on a juste mangé. En bas, il y a comme une. Je sais pas si j'ai filmé, je pense que oui. Je pense que j'ai filmé hier. Il y a comme plein de tables, plein d'espaces communs. Faut qu'on a mangé ici parce que j'étais trop affamé. Ensuite de ça, on s'est assis sur les divans dans le justement l'espace commun vu qu'on faisait une sieste de 15-20 minutes. On a chillé un peu sur nos selles, puis après ça on est retourné au bord de l'eau finalement, mais sans manger, vraiment juste aller voir. Il faisait vraiment beau, vraiment chaud, gros soleil, full de monde. C'est vraiment beaucoup. Une affaire qu'on a remarqué, tout le monde a des chiens ici, puis tout le monde marche leur chien, puis il y en a plusieurs qui ont plus qu'un chien. C'est vraiment typique en tout cas de ce qu'on a vu à date. Après ça, on a passé une bonne demi-heure, 40 minutes d'après moi là-bas. Ouais. C'était quand même long. Ensuite de ça, on est allé à Times Square parce qu'on va voir de nuit, mais dans le fond, on n'a pas pensé à notre affaire. Je ne dirai pas tous les plans parce que je pense que je vais faire comme pas mal un vlog par jour. Je pense que je filme beaucoup tous les jours. Là. Mais on va y retourner après-demain. Après-demain. En tout cas, on est retourné cette semaine, on est comme pas pensé à ça avant, mais on voulait aussi manger des Pokéballs, fait qu'on est allé se pogner ça pas loin de Times Square, puis honnêtement, c'était excellent. Tu faisais ton Pokéball comme toi-même, tu faisais ta base, ta protéine, qu'est-ce que tu mettais. C'était délicieux, vraiment bon. Ouais, puis la caissière, en tout cas, la fille. La caissière qui faisait les Pokéballs, l'employé. Ouais, c'est ça, l'employé, parce qu'elle était caissière, puis aussi, genre, comme une préparation. Elle était vraiment fine, genre, elle nous faisait goûter, mettons, elle était comme, Marc, par exemple, il voulait choisir des crevettes épicées, puis là, il était comme, ben c'est-tu trop épicé? Puis là, finalement, elle lui donne une crevette. Elle me l'a mis dans ma main. Puis là, c'est genre comme, wow. Après ça, moi, j'avais une question par rapport à une garniture. J'étais genre, ça coûte quoi? D'habitude, tu sais, lequel tu me conseilles? Puis il était comme, je te conseille celle-là, tiens, goûte. Puis là, j'étais genre comme, wow. Ouais, c'était vraiment, vraiment fine. Elle était très, très fine. Hein. Ouais. Fait que ça a été ça, puis après, on est revenu ici. Puis là, on est couché depuis, on a fait des vlogs, on a chillé. On pensait peut-être retourner en bas voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, quand on est arrivé, il y avait un chansonnier. Ouais. Ça n'avait pas l'air si bon. Puis honnêtement, le monde avait l'air un peu vieux. Ça n'avait pas l'air tant des jeunes qui étaient là. Puis sinon, il y a comme une terrasse en haut, mais c'est ouvert le vendredi et le samedi seulement. Fait que ce sera pas ouvert ce soir. Mais là, on a peut-être un peu faim, faut qu'on irait peut-être chercher nos bartendes qui sont frigidaires parce que c'est écrit dans les règlements qu'on ne peut pas apporter de bouffe dans les chambres. Mais je pense que c'est pas que le monde en oublie qu'il fasse des messes, mais tu sais, je me dis, si on impose une bartende chaque, je pense que ça va être correct. Hein. Puis là, tu sais, anyways, qui va le savoir? Personne à part vous. Puis nous, on va être déjà partis quand vous allez voir ça. Fait que là, on irait peut-être chercher une bartende, voir qu'est-ce qui se passe en bas, mais moi, honnêtement, je me coucherai quand même bientôt. Ouais. Mais au pire, on pourrait même juste manger en bas puis voir c'est quoi. Puis revenir après. Mmh. Ouais. Parce que manger notre bartender là-bas pour voir aussi puis sonder. Ouais. Parce que moi, c'est un peu la fatigue, là. Ouais, moi aussi. J'ai jamais vu qu'on se couche tôt les premiers soirs pour pas comme traîner la fatigue tout le reste du voyage. Ouais. C'est pas être fatigué tous les jours parce qu'on se couche tard tous les jours. Ouais. Fait que je pense qu'on va s'habiller et on va aller voir en bas. Je l'ai mis dans le billet. C'est le sac en haut à droite. Alors, on a du poulet basmati. Du poulet basmati? On a des barres. Je veux ça. Des barres à la tendresse. Moi, je veux ça. Je pense que je veux un pain aussi. Tu veux aussi une barre tender? C'est bon? C'est bon. J'ai goûté plus avant. Mais ça sent bon. Ouais.